Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à télécharger depuis un NAS. Alors bien sûr, je parle de téléchargement légal et pas de téléchargement illégal. Donc pour ce faire, j'utilise toujours un NAS de marque Synology. Je rentre mon compte. Voilà. Donc maintenant, je vais démarrer Download Station. Je clique dessus. Et donc Download Station démarre. Ok, donc il faut que je lui dise le fichier de destination. Je envoie tout dans téléchargement, ça paraît logique. Sélectionner, voilà. Je fais sur le plus pour l'avoir en pleine page. Et maintenant, je vais aller chercher un lien légal. La version release de Windows 8, voilà. Donc, on y est. Et comme vous pouvez le voir, on peut télécharger Windows 8 gratuitement et légalement pour quelques mois. Je clique dessus. Et ici, on peut voir qu'on peut télécharger les ISO. Donc, je clique sur le lien en français. Je veux la version 64 ou 32 bits. Moi, je prends la version 32. Je vais faire un clic. Je vais faire un clic droit dessus. Je fais copier l'adresse du lien. Maintenant, je viens dans mon Synology. Et ici, dans Download Station, vous avez l'URL. Donc, je fais un clic droit. Coller. Et je fais entrer. Et là, logiquement, mon NAS va venir se connecter pour télécharger. Voilà, il est parti. Et il se met à télécharger. On voit le débit ici. Bon, il n'est pas énorme parce que actuellement, il y a des joueurs sur la ligne. Donc, fatalement, je ne peux pas avoir le débit maximum. Autrement, il vous met aussi donc la vitesse, le temps, là où il va, c'est-à-dire dans le téléchargement. Et le nom de la personne qui a mis à télécharger. Donc, si par exemple, vous avez 3 ou 4 personnes à la maison qui ont accès à ce NAS, vous voyez qui a lancé le téléchargement. Donc, voilà. Je vais vous montrer un autre téléchargement simple aussi. On va aller, par exemple, sur Cubic. Voilà. Et a priori, si je mets un lien aussi dedans, je devrais pouvoir le télécharger directement. Disons que je veuille télécharger, je ne sais pas moi, Nero. Il y a une version démo bien sûr de Nero. Voilà. C'est une Burnlight, qui est une version gratuite. Pas complète, mais gratuite de Nero. Donc ça on l'abordera une autre fois, mais je vous montrerai donc qu'on peut le télécharger. Donc, je clique ici. Voilà, donc je vais copier par exemple l'adresse ici, copier l'adresse, je vais dans mon NAS, je fais CTRL-V, et là, normalement, il devrait se mettre à télécharger le dossier Nero. Et voilà, il est parti. Et donc là, il se met à télécharger le dossier de Nero, et essentiel free, voilà. Et donc c'est parti, il télécharge, et donc là vous voyez qu'il peut être... Alors il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de mettre en pause un téléchargement, donc, ici, voilà, l'autre pareil, mais disons que vous ayez 8 téléchargements en cours, vous n'avez pas cliqué sur tout, donc venez ici, vous faites tout mettre en pause, supprimez tout, ou alors tout simplement, tout reprendre. Donc là, ça me reprend les téléchargements. Voilà, et c'est parti, ça continue. Donc bien sûr, on peut mettre tout type de lien dessus. Bon, il faut savoir que on a aussi la possibilité de télécharger depuis des fournisseurs comme les, vous voyez, tout cela, donc RapidShare, vous voyez, et là par exemple, il vous dit qu'il faut mettre à jour les fournisseurs. Donc, ben, si vous voulez faire simplement, vous faites tout mettre à jour, et il va mettre tous les fournisseurs à jour. Voilà. Donc maintenant, tous les autres sont à jour, donc vous voyez, il y en a quand même plusieurs. Alors, il faut, et vous voyez, on retrouve aussi YouTube, bien sûr. Bon, il faut bien vous dire une chose, c'est que moi, je ne peux parler là que de téléchargement légaux. Bien sûr, pas de téléchargement légal. Vous avez aussi du BitTorrent. On peut faire aussi téléchargement BitTorrent, tout ça. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. Maintenant, moi c'est vrai que ben, je vous conseille de faire des téléchargements légaux. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que vous pouviez faire du téléchargement légal avec un NAS. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un NAS,
comme celui que j'ai là, ça consomme 10 à 20 watts heure. Un PC, même un petit PC que vous allez mettre en consommation mini, il va consommer 100 watts heure. Donc en gros, vous allez consommer 5 à 10 fois plus en termes d'électricité. Et ben voilà, ça fait une petite économie quand même qui est pas non négligeable. Et donc le NAS a aussi son utilité. Donc voilà, donc le téléchargement, là, vous voyez, il est terminé. Donc on a un petit symbole devant qui vous dit qu'il est fait, donc il vous dit bien qu'il a à 100%. Donc ben vous voyez, ce petit téléchargement de Nero, ben, je m'en servirai plus tard pour vous montrer comment marche Nero en version gratuite. Donc ici, on va retourner dans FileStation. Donc je vais ouvrir FileStation. Je vais ouvrir en grand pour bien qu'on voit. Voilà. Et maintenant, si je vais dans Téléchargement, ici, on retrouve bien donc Nero Essentiel, Nero Burnlight 10 en français. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué du tout. Après, libre à vous de déplacer le logiciel où vous voulez. Donc, vous voyez, je me suis fait une petite rubrique logiciel. Dedans, ben, par exemple, là, je vais prendre mes logiciels et je pourrais les riper dans logiciel. Mais ça, on l'abordera quand on viendra sur FileStation. Voilà, et quand vous avez terminé, si vous voulez supprimer tous les petits liens morts, du moins qui sont terminés, vous cliquez ici, effacez les éléments terminés et vous les supprimez. Si vous voulez supprimer un lien, vous cliquez, vous le sélectionnez, vous cliquez ici sur supprimer, et il va vous demander si vous voulez supprimer, vous faites OK, et il supprimera le lien, alors qu'il soit en train de télécharger ou qu'il soit terminé. Bon, si les liens sont terminés, vaut mieux utiliser la petite corbeille, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!